Europe 1. Pascal Praud et vous. Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. C'est avec l'ami Laurent Tessier. Et musique d'ambiance, DJ. C'est vendredi, le vendredi on crie tous ensemble. Thanks God it's Friday. Ouais, tous ensemble, merci à tous. Bon, on reprend ça au prochain épisode. Come on, go DJ Fab. Non mais c'est pas possible hein. Place aux artistes alors que nous sommes en train de faire les réglages pour la tournée des plages. Pascal Praud et vous en chanson. Nous réfléchissons avec notre directeur d'antenne Alain. Oui, nous réfléchissons avec Alain Liberty à une première partie sur toutes les plages de France. Pascal Praud et vous et la blagounette. Nous avons fait quelques tests ce midi. Wouhou ! Monsieur, madame, Fonsec ah, ont une fille. Sophie Fonsec. Ah oui, c'est pas mal ça. Pas mal. Vous en voulez encore ? Non. Oh si, encore une blagounette, monsieur, madame. Saint-Malo, à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Alors là, non, j'ai pas. Non. Moi, Ferdinand. Ferdinand Saint-Malo. J'ai pas compris non plus. Ferdinand Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Bon, on arrête là peut-être, on ne va pas plus loin. Oh, mais si on tente tout, on va bien finir. C'est incroyable, non ? Par définir une blague, monsieur, madame. Monsieur, madame, scroute dans son cartable. Jessica, exactement. Ah, mais oui, vous l'aviez faite. Jessica Scroute. Bon, pour la première partie blague, notre tournée s'est mal embarquée. Alors, nous imaginons avec Alain Liberty une première partie philosophie sur le monde littéraire avec les talents universitaires de monsieur Boubouk. Merci. Bah moi j'ai fait un doctorat, je suis parti tôt. Hein. un doctorat en drague. Vous avez entendu ce qu'a dit Géraldine. Il l'a loupé. Elle mord maintenant la GG. Hein. Méchante la GG. Bon, pendant notre grande tournée, nous embarquerons dans notre boubouk mobile le rédacteur en chef de la matinale d'Europe 1, Christophe Bordet. Christophe qui anticipe les fortes chaleurs et protège quotidiennement sa belle peau de Jones. Je suis un peu comme Boubou, qu'à force de mettre des crèmes, ça se voit pas. Où est-ce que vous mettez des crèmes ? C'est malin. On va trop loin. Bon, pour chauffer la salle avant le début du spectacle, nous lancerons notre meilleur élément. À 18 ans, j'ai prié ma province, bien décidé à enflammer Paris. Quel fléau. C'était Charles Aznavour. Merci, ami. Bon, pendant ce temps-là, que fait Florian Karasoumaïan ? Florian, avec son beau short rouge, sera en train de guider, d'installer la jante féminine sur la plage. Il reste professionnel jusqu'au bout. Par contre, surveillance de DJ Fab qui va prendre tout ce qu'il trouve sur le buffet invité avant le spectacle. Et dites-moi, monsieur Lafitte, c'est bien vous qui aviez volé du saucisson le matin? Exactement. Comment vous le savez? Et avant notre grand show, Pascal Praud et vous, nous avons une pensée pour un auditeur en particulier. On salue un auditeur sur Internet qui dit « Au secours, je suis coincé sur l'autoroute à écouter Pascal Praud. » On pense à cet auditeur. Bon, à la fin de ce grand débrief, nous lançons un grand casting pour la personne qui présentera le spectacle, qui annoncera les chanteurs, les artistes. Nous pensions au départ à notre amie Céline Géraud, ici présente. Elle annonce ses invités avec professionnalisme sérieux. Je serai avec Jean-Claude Dacier, Yves Bigot dans la deuxième partie de l'émission. Yves Bigot, voilà, qui nous rejoint effectivement dans l'équipe d'Europe 1 13h. On est ravis de l'accueillir. C'est bien, c'est sympa. Ça, c'était lundi à 12h50. Yves Bigot, Jean-Claude Dacier, mais ensuite à 13h18, c'était qui les invités ? Pour débattre de l'actualité d'aujourd'hui, Céline, vous êtes avec le politologue Guillaume Bigot et le chroniqueur politique Olivier Dartigolle. Bonjour Olivier, bonjour Guillaume, bienvenue à bord. Bonjour, merci. Oui, pas d'Yves Bigot, pas de Jean-Claude Dacier qui ont disparu. Allez, le grand débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec une nouvelle chanson d'amour pour vous, Céline, celle qui est dans mon cerveau quand vous rentrez dans le studio d'Europe 1. Top girl. Vous avez l'air du contre-pied, mon cher Laurent. Un petit tacle appuyé, derrière une petite caresse dans le dos. Merci. Ah, vous le connaissez bien. Non mais, oui. Bonjour. Top Gun pour l'arrivée d'un avion de chasse, c'est... Oh, c'est plutôt logique. Je n'aurais pas mieux. Céline. Je vais mettre les réacteurs, évidemment, dans quelques instants. Je vais mettre les gaz. Oh non, oh non, oh non, oh non.
c'est DJ Fab. On sera bon, en actualité dramatique, donc on va. Oui, voilà. On sera en direct de Rouen, Wilfried de Villers pour Europe 1, devant la synagogue où c'est la sidération hein, dans le quartier. On aura également la réaction de Raïm Korsia, le grand rabbin de France. Et puis on parlera évidemment de la Nouvelle-Calédonie avec le contre-pied, on peut le dire, hein, de Marine Le Pen qui plaide pour un nouveau référendum. Ça ne vous a pas échappé, avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Céline Giraud. À lundi les Pascal. Amis, à lundi, merci à tous et bonne émission, chère Céline. Pascal Praud de retour lundi de 11h à 13h sur Europe 1.